lakayhaiti.com qui compte rejoindre nous pour jeudi, jeudi 13 octobre 2022. Et on profite de remercier tous les amis compatriotes nous, quel que soit côté ou dans le monde ça, quel que soit côté, et bien ou yé qui pral garder vidéo ça, et bien on dit Haïti bagaille dégénéré, Haïti bagaille la grave, la police prend coup, bandit prend coup, et bien mesdames et messieurs, nous pral inviter ou gè détail et sous gros incident ça qui rive là côté nèg nan Tibwa, précisément chef gang Chris là lui même ta poté aller et bien divers matériels l'état jodi a gen porte-parole PNH là Gary Desrosiers qui lui même ta bay plus détail ak explication comment attaque féroce ça arrivé victime et bien base Udmoa qui au même pou konn ya là en pile nèg men en tête parce que gen matériel qui au même perdu et donc pour nous citer un chat avec un gros arme fan fois nèg yo poté aller Tibwa nèg frappé Chris là lui même qui baille la police encore une fois l'autre soufflette que nous pas inviter ou tant de détails gain dossier dans tout qui lui même parler sur dossier et démanteler bandit dossier et donc retirer zam nan mes bandits dans pays ça et selon ça et pays les États-Unis au même temps fait connaître gain plusieurs hommes politiques ak nèg bourgeois dans pays ça qui au même déjà pral gain visa coupé et gain gros sanctions qui pral prendre contre nèg ça yo parce que c'est au même cap alimenter bandit dans pays ya c'est au même cap bail bandit zam et c'est au même qui cause gain kidnapping ak insécurité comme ça dans pays ya et nèg zam yo qui au même chita entre yo et nèg yo proposer en pile bagay bay l'état si seulement yo accepté et bien yo ta ka déposer zam est-ce que nèg sa ou déjà fin fait tout crime dans un pays comme ça et bien nèg yo ta ka gen chance dans société encore en pile moun di li pas possible et bien nous pral faire autant de porte-parole PNH la Gary Desrosiers avec Dorsena membre CNDDH qui lui même pral ban nou détail sous et bien décision qui bandi yo même yo chita prend entre yo pour l'état décider n'a tourner et nous touchons pas et incident malheureux ça qui produit hier soir de la nuit du 12 au 13 octobre et suite à attaque et fait sous une attaque surprise sous commissariat de Clermont qui la dernière était bon détachement on a rappelé que commissariat ça là depuis l'époque madame Duvier et premier ministre côté que bandit pour y aller et plusieurs matériels PNH et parmi eux, ils ont blindé. Et côté que j'ai trouvé, matériel ça, qu'on y a dans mes bandits, et dans mes coups parmi eux. Et tout de suite, l'incident ça, maintenant, réuni pour évaluer la situation hein, et chercher mobile et attaque là. Et il y a un centre de décision qui prend, que instruction passée, et pour enquête, l'ouvrir pressé pour déterminer les circonstances. Attaque ça, fixer responsabilité, également renforcer la sécurité dans la zone stérile. Et définir un mécanisme qui est capable de permettre à la population d'identifier les blindés et côté que PNH là pratiquement en état d'alerte pour récupérer matériel PNH là et également blindés. Mm. Et pour une fois, on a sollicité la population pour que, comme d'habitude et comme nous toujours fait, et pour que ensemble capable de lutter contre les gangs armés et contre les autres. Au foyer de Gamio également récupérer matériel et des armes. Mm-hmm. Donc ça veut dire là on a parlé de c'est comment dire c'est machine ou bien comment elle est l'autre lens blindé on a parlé de camion oui, blindé ou... c'est ça qui justement c'est ça pour qu'on a habitué et côté que des policiers capables de faire intervention. Ça veut dire ça machine ça blindé ça non mais monsieur on a parlé là justement. Mm-hmm. Et gagné on zame tout yo dit qui est négave et que tu as pris oui, tout la base là. Et nous, c'est tout en circulation, les paniers matériels, et j'en dis, hein, et pour le moment, on attend rapport responsable poste-là, et pour que nous connaissions les matériels, et également, j'en dis, ensemble de ça que nous disons, les dispositions qui prennent au niveau de donc, c'est un incident grave, hein, ça, et pas de parole. Et extrêmement grave, et j'en nous dis, hein, et on a suite à l'enquête et c'est certain que depuis une évolution, à moins de détails, on a peut en mesure pour informer les populations. Parce que, j'aime plus dire, les matériels, la police n'est pas simplement policier, mais il est là pour être capable
assurer des protections, assurer sécurité population. Ça veut dire c'est pas matériel à modifier seulement, mais c'est matériel population, parce que c'est ensemble de matériel ça, et aussi à l'eau que nous servir pour que nous capables faire des interventions et pour que nous capables tout aller au secours des populations, hein, et dès que nous avons possibilité ça. Nous gagnons contrôle policier qui était sous place, combien victimes parmi eux? Alors, dès que je me dis enquête là, et pour déterminer et fixer les responsabilités pour nous, pour nos circonstances là, et tout ça, justement, entrer dans le cadre d'enquête là. Ça veut dire que des bagages n'ont pas à partager à vous pour le moment, parce que déjà qu'il y a une enquête qui est en cours depuis hier soir, à l'instruction que le commandant chef l'a passé, et Franz LB a été justement qui va là, hein, la même enquête, à savoir qu'il y a un salaire ou l'inspection générale la dernière et d'autres instances qui sont capables de venir et pour capables de mener l'enquête. Non, mais pas un policier qui est blessé. Premier élément d'information, c'est qu'il y a attaque. Heureusement, pas de policier qui est blessé et pas de policier qui est mort. Heureusement. Ça veut dire que le policier a juste remettre des armes qui n'ont pas eu. Comment dit-il? Policiers juste remettre bandits aux âmes gentiment sans pas gagner attaque, hein? Alors, c'est sur une attaque surprise armée et pas qu'à aller pour la vie gentiment. Nous connaissons tous les efforts que les policiers ont fait sur la situation et que nous connaissons pour le moment et une situation très délicate. Parce que au niveau des policiers, c'est certain que les populations ont des plus, et c'est certain tout qu'avec le peu, c'est le maximum. Mais d'une manière simple, on a dit que gentiment, non, du tout pas. D'accord. Mais c'est un peu le parole. Ok, juste avant, nous, j'ai dit tout à l'heure, la situation est très délicate, mais la police, beaucoup de détails avec le peu, la peine du maximum. Et encore une fois, nous comptons sur collaboration population. Hein. Et malgré toute situation, si que vous suivez nouvelles postes et allô la police, on a fait tout bien des opérations et qui toujours continuent à faire dans des zones, nous pas laisser aller, nous pas, disons, à constater. Mais malgré une situation, hein, et on a fait toujours fait effort beaucoup de panneaux en fonction du matériel. Inspecteur, avant d'aller, dis-nous, nous télé sous compte Facebook notamment. Institution police, il y a des opérations qui ont multiplié au niveau de Vaoué pour permettre que nous devions débloquer Vaoué. Dans quel niveau nous y est? Généralement, je me donne un parler avec Gadoumé et lors de la situation pareille, il y a toujours gagné changement. Et suite à l'information pour Kamakoun, demander justement adaptation. Bon, c'est certain que mesure ça a été déjà. Dès que la situation est arrivée au commandement, dépêché sur ça, pour d'abord permettre que la zone s'arrête en couloir de sécurité de manière pour que si pour par exemple, sur les gens et camions allaient capables d'alimenter des couloirs, c'est certain s'il y a des difficultés ou bien s'il y a des problèmes qui arrivent, on n'a pas adapté non sur la mesure de manière pour que, ensemble, la population puisse faire ça. Inspecteur, dernière question, Mme Bozo. Tu as gagné un blindé que population était très remettie Magali qui était occupé pleinement particulièrement zone quoi des bouquets qui était commencé par résultat et qui était commencé chasser tout l'homme sans jour nous entendait qui presque retourner quoi des bouquets. Est-ce que Timagali toujours dans zone là, qui ça fait, comment ça fait arriver que policiers ou bien gangyo recommencer à prendre force dans zone quoi des bouquets? Alors, et Magali, c'est ma fait triste pour matériel ça que nous comprenons, que qui va pas popularisé et tout le monde c'est langage là pour gagner, et nous mettons tout fond une compte de ça. Et matériel ça nous vont quand et à ce point les gens disent et résultats qui commencent à battre, comprendre avec une situation à vivre là et d'autres situations étaient venues impacter justement sur et sur problème de communication. Oui. Alors, inspecteur Garde aussi. Oui. Ou là? Oui, allô? Oui, t'es en coupure, oui, t'es en coupure. Alors, juste, Mabdou, que nous comprenons la question là, et nous apprécions la qualité de question. Hein. Alors, nous avons dit pour Magali, à son nom affectif, que la population va aider à matériel ça, que nous-mêmes, tout, nous tenons compte de eux, parce que dès qu'il y a parlé au Mado, c'est Magali, c'est Magali. Et alors, c'est ensemble travail de policiers, ça, qui d'abord chasse à l'autre fait, de manière malgré danger, malgré situation pour nous arriver
récolter nous, attaquer les réseaux comme ça, qui gagnent des mois et des années même à pas de problème dans zone ça, et nous comprenons tout, population, ouais, tout, travail, tout, qu'on a fait tout. Mais, et à savoir, bien toujours là, et on comprend que situation yo et des moments que nous connaissons de troubles tout ça yo les impacter justement sur opération yo. Mais par contre et opération yo toujours a tenu et Jean Dolan et AFO à journal posté et à la police n'a point et au niveau pas de bouquet et opération yo toujours a continuer et gagner et malheureusement et des bandits et qui est blessé mortellement. Et il y en a opération, c'est probablement opération qui te permet de nous reprendre contrôle sous commissariat et Thomas Saint-25 là, mais avant ça, nous te ouais, local a abandonné, policiers ont été courus, ça veut dire bandits, non, premier temps, t'es contrôle. Est-ce pas ça? Qui s'habille là, est-ce que les âmes nous perdu? Et nous, normalement, nous devons faire une conférence de presse sur ensemble d'activités et ensemble d'interprétés au niveau de la police. C'est parce que nous avons quitté pour conférence bilan et là, ça n'a pas mesure pour nous venir avec et tout détail. Mais on connaît que lors d'une situation, ça a eu ensuite attaque des bandits armés et des bandits surprises. Et ensuite attaque des attaques surprises et c'est certain que on crée une panique de toute façon mais au fur et à mesure la police n'est pas en contrôle d'eau et puis de manière pour que nous capables et permettre assurer la présence là et permettre aux populations de porter à nous avec le peu le matin et le peu que nous gagnons pour que nous capables faire le maximum en termes de service. Et dans la vidéo ça il te dit prisonnier en tout cas monde qui est en garde à vue t'es sauvé ouvrir c'est le l'enfer au sauvé et pas de parole. Et bon, le cas difficile pour dire nous combien nous avons gagné dans Zamza, qui c'est Negevlan. Mais nous avons dit, moi, demandez votre parole là pour nous. Et qui commence à y aller? Puisque Iso, M. Grand Village des Dieux, te prend yon, dans le moment 12 mars, dans le moment opération qui était mal fini. Et vous dites, tout gang ti makak nan ta gagné yon nan mel, kounia ti bois gagné yon nan mel. Ou ka confirmé ou non pour nous? Alors, c'est tout plus que l'on a pris, c'est un, et moi, par mesure, pour confirmer bien sûr. Mais à savoir, que dernière, c'est ça qui est. Et hier soir, là, côté que Négo allait à Mendea, mais à savoir, l'autre, comment. Même Mati, ça va confirmer. Ils ont été clairs. Ils ont été des images, tout, bien. Qui vient à mes soins. Oui, peut-être pas qu'on boutit ma cac là, mais pour ISO aller. Non, non, non. Non, alors, me rappelle l'époque ça, et ça a un an côté que, et jusqu'à présent, et parents et policiers ça, jeunes policiers, vaillants ça, qui étaient risqués vie pour la population service, qui étaient risqués vie malgré danger, pour libérer la population paisible qui a vécu dans la zone mentissant, parce que faut que nous disions que tout le monde qui a vécu dans la zone ça, ce n'est pas des bandits, et il n'y a rien. Et des éléments, effectivement, qui l'a donc empêché, ou bien population va qui est librement d'activité dans la zone ça. Mais nous étions quoi que les populations, les vrais mondes qui vivent dans ce monde paisible, et c'est le monde que nous toujours comptons sur collaboration pour que, ensemble, pour que nous sommes capables d'arriver et si on fait des interventions dans la zone là, et permettre que la vie retourne normalement. Et qui sa situation canarien, même, et porte-parole, dernièrement, gagné. On gang yo tenté installer dans zone alors que tu gagné quatre gangs déjà qui t'a opéré donc je dis nous gagne monde qui a couru qui était zone. Est-ce que la police plus ou moins gagne contrôle et zone ça jusqu'à la fito? Et Pierre Renel est capable de témoin et que ensemble il faut que la police fait au niveau Canara et que la continue faire au niveau Canara. Et pas trop longtemps, ils ont tenté à l'installer en gang, côté que la police est rapidement arrivée et pas à monsieur yo, et côté que gagnait et pour plus petit deux qui est arrivé et blessé mortellement. Alors Jean Doulan dans la prochaine conférence qui est pour faire et n'a pas réussi pour faire un bilan définitif et sur l'ensemble du travail que la police fait. Madame Gonin, pas besoin de réponse, m'a posé une question quand même, votre parole. Qui ça la police gagne comme élément d'information sur ce qui a passé Canara actuellement là? Il y a plusieurs éléments d'information qui ont pu nous, la traité et Jean Poulain, au cours de conférence là, on a pas mesure avec toute transparence pour que nous partagions toutes les informations avec la presse, également la population. Merci, inspecteur. Conférence, c'est à qui le. C'est pas je dire, non? À
Alors, ça, c'est pas jeudi. Ça, c'est une situation capable de vous donner votre moment. Et je ne pas la mauvaise sens. Alors, une situation capable d'évoluer à n'importe quel moment, c'est une façon d'évoluer dans le mauvais sens. Mais, et comme d'habitude, comme nous toujours fait, et avec la presse surtout qui s'est partenaire nous, la question sécurité, également population pour que nous toujours, nous sommes pour nous travailler, pour que nous capables de dire, mais qui activité, mais qui ça va faire au niveau de la police nationale. Mais vous êtes votre parole là. Oui, je me donne un plaisant. Mais ça va être 19 appels bon là, bagarre. Vous êtes fâché, oui. Dans l'émission. On est dans l'autre émission, vous n'avez pas de problème, je comprends ça. Moi, j'ai un texte qui dit que M. Azamio, il a demandé amnistie, il a demandé ceci, il n'y a pas trois bagages, oui. Il a demandé là pour déposer les armes. Ou pas là, mais au plus souvent, est-ce que tout le monde veut parler ça? Si oui, qui est-ce qui a dit ça? Oui, il a parlé de ça, non? Il a parlé tout le temps. C'est pas parce qu'il y a un problème, ça. Non, il a dit qu'on a habitué à parler, mais nous ne pouvons pas me dire. Pas nous gagner une décision là, mais nous, Grenmagaï nous dit, et l'on parle avec monsieur, nous gagnons un problème qui est sérieux dans le pays là, il y a pile de monde qui a mouru dans l'hôpital, il y a monde qui a mouru sur l'eau, il y a monde qui a mouru là, qui n'a pas qu'à déplacer. Moi, je pense que nous avons ménévé un couloir humanitaire qui doit créer, même Jean-Monsieur, il y a une famille, il y a des gens qui ont. Faire un couloir humanitaire pour voir comment vous êtes capable de dire que les gens sont en situation difficile. Je ne vais pas dire pour Gaza l'emporte, non. Ce n'est pas ça, je dis, non. Mais il faut que les gens soient faits quand même en urgence qui pour aider les gens qui sont en situation qui n'est pas capable. Vous êtes malade, n'importe qui est malade. N'importe qui est malade. N'importe qui est mort là. N'importe qui est en difficulté là. Voilà. Et moi-même, mon manège, ça m'a dit. Radio-Migas. Comment les gens se sentent. L'autre qu'on a pas encouragé, n'est pas armé. On a pas aux armes, on a pas aux l'argent. Comment sentez-vous, mon Dieu, qui a souffert, mon Dieu, qui a mouru, la caillou? Comment sentez-vous aujourd'hui? C'est ça, nous a dit. Maintenant, qu'on a qui ça a demandé? Un, deux, trois. Qui ça a demandé là? Moi-même, je fais commission, moi-même, commissaire innocent, et sur l'ordre des coordonnateurs et de l'inflexion. Et sous toute l'ordre de la commission, ils ont demandé nous pour nous rencontrer avec un comité qui est dans la zone Nazaline. Nous parlons avec quelqu'un là-dedans. Ils ont fait nous quelques propositions. Mais officiellement, si nous disons nous ne parlons pas avec les gars, c'est menti. Mais nous parlons négocier avec eux directement. Qui ça a dit nous dans la commission qu'on a parlé avec eux, qui a dit l'État pour eux, dit l'État tel bagaille pour nous. Qui ça a dit? Radio Média. Ils ont dit qu'ils ont une proposition qui est en cours, ils ont une proposition à moi. Et je vois, pas bon moi directement, je vois la commission. Je vais la commission en ligne pour faire, je m'en dis pour participer dans le gouvernement, je m'en dis tout pour participer, tout pour retirer l'habit de chez eux, je m'en dis pour amnistie, comme on a demandé, les bons bails, je m'en dis, je dis, je me dis, c'est ça. Ça, il y a un bail, il y a une nouvelle, parce que son bail, il y a toujours demandé, il y a un bail, demandé. Mais là, quand il y a l'air pour ça, ou même, il y était avant pour faire suivi. Qui sont à faire, qui sont commencé à faire déjà? Radio Omega. Beaucoup, parce que l'État central doit relayer nous-mêmes dans la commission pour parler avec nous, et pour dire nous. Mais ça pour nous le faire. Parce que moi, c'est si on utilise la commission, là, moi, c'est une pile solution capable de porter au manège. Donc, si on utilise CNDDA, oui, mais l'État travaille à CNDDA, c'est une commission créée par l'État. Ça fait longtemps qu'on utilise. Radio Omega. Vanès, nous gagnons à peu près de 31 mois là, l'État central, par exemple, nous en un. Et. En plus, non seulement des corps, ben, parce que nous-mêmes, nous avons droit pour nous vivre. Cependant, nous avons un plan stratégique national. Nous travaillons sur lui. Allô? Avec attention, maintenant, de M. Dossena. Radio-Média. Nous avons un plan stratégique national là qui est là. Stratégie nationale là, c'est une task force qui a plusieurs entités là-dedans, qui a le ministère intérieur, le ministère de la justice. Il y a tout le ministère qui était aidé nous avec un public pour nous faire sacrer en stratégie nationale là. Bon, cette stratégie nationale là, s'il était là, si l'État était l'État central était nous, il était mis en application. Soit on a privé dans le quartier, on va privé. Laisse on a pris le contrôle du quartier. Nous allons faire trois guettes au courant. Et c'est manque de services de renseignement pays et l'État tout.
qui fait monsieur qui a fait toute action ça au sans même pas au courant pour être bloqué. Mais cependant ça qui a fait une fête, nous va tourner sur ça. Il y a une possibilité pour nous chita parler avec monsieur. Faut nous gonfler de clair 1 2 3 4 l'état dit nous mais ça va le faire. Il y a plus de monde dans l'état qui parle avec moi personnellement, parle avec le commissaire. Mais il n'est pas formel, nous pas qu'à faire informel. Parce que nous sommes une commission qui crée pour nous arrêter. Il faut nous gonfler pour nous respecter tête nous, pour ne pas le mentir. Il faut que ça ait dit nous, il faut le sincère. Il faut insister sur ça, il faut le sincère. Il faut que son parole qui parle, parole remontée. La parole vint. Son parole qui pour clair. 1, 2, 3, 4, mais ça va nous faire. 2, 3, et les ça, on a bien une idée. Et comment on est capable d'aider les gens qui ont souffert. Non, quatre. Quand on se dit là dans le Sénat, bon qu'on arrive sous lui. C'est vrai, ou t'es un petit casse-parait moral. Là, on dit comment on nous sent-il, les la baisam. Comment on nous sent-il, les la fait X, Y, Z. Même t'es qu'à dire tout, ou gain responsabilité dans ça, dans la mesure où, ou t'es un travail ou fait, là-dedans, l'on dit 11 familles qui ont acheté des âmes, voué par les âmes ici, population pas jamais qu'on elle, ou sous quelle population en poisson pas jamais dit 11 familles ça. Faut action dans tout bon vrai jodi a. Bay population en non yo. Radio Omega. Et au manes avec professeur Leonidas. Au manes, ou connaît bien. Et m'pa dit ou pas ami ou pas ami comme si c'est ami moi chouchou tim bay la comme ça. Mais au manes ou si ou ka dit ça dans radio, m'ka bon autorisation mais dit ça ou ka expliquer comment m'a vivre. J'aimerais vivre dans une situation extrêmement difficile et qui j'aimerais vivre comment m'a fonctionné la caméra, par homme, foyer presque écrasé, tout ça, tout bagaille. Et non, c'est de, parce que par les moyens, pas rien. Mais je dis, pendant ce temps, pour dire comme ça, j'ai tenté un mois dans l'état, je vais me faire mon dollar. Et puis, pour me camper là, on est cap 20 zams. On grain zams à 20 12 000, 15 000 dollars américains. Radio et puis vous dites ça, mon cher, pour aller citer non exam radio. Ça, c'est le premier dossier. Passez pour avant journée, passez pour me faire bouton. Population de M. Yévé, président de la République, qui a toute sécurité à mourir. Moi-même, je n'ai rien à même pour moi, pour dire que ça me lague. Mais finalement, sautez à Bayer, bon, faut pas de café, c'est ça? Radio Omega. Café, pas de café, mais faut qu'on accompagnement. En plus, encore, ça cap sorti, yo, pas blé, yo, manès. Je vais tout lancer mes messages ce matin. Je vais dire dans la radio, je vais bien dire tout à l'heure. Mais, les gens qui ont parlé avec monsieur, qui ont parlé au TT, les arrivés sur eux, le bâton a assemblé, changé de bout. Un jour, quand ils sont là, Radio Omega. Et ça, c'est une petite nouvelle, là. Bon, 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 bon. Un jour, quand ils sont là, nous allons voir, ça, nous allons parler. Est-ce que vous avez changé de direction et pris une direction, monsieur? Je vais prendre direction, mais tu as pile de monde qui espère qu'il y a une chaîne dans cette situation. Peut-être que moi, je dois aller. Tout le monde dans la commission, je dois aller. Mais dans le Sénat, ou quand je vais caresser, ou toujours faire le constat chaque fois que je parle avec moi. Je connais le pouvoir, gagner un projet. Parle, il y a que Blanc a venu, et que des nègres ont changé le gouvernement. C'est vrai que des nègres ont prêté. Mais des nègres ont dit, mon cher, c'est dans la douane. Et ils ont investi à terre, ils ont fait une arrestation, comme ça. Et de ça, on va parler. On a tout le monde qui a financé, monsieur Amir, et le qui dans l'état, qui a passé sur le côté. Pour tes cobs, pour tes bagailles, pour un bagaille. Et bien ça, là, depuis sous président Préval. Et le président ici, tout le monde passe dans le même bagaille là. Toujours, il y a un monde qui est interlocuteur et puis institution, il y a un café de travail. Et il y a un cabré, les messieurs, au conseil, pour faire ça, pour faire tout le bagaille. Les arrivés, et bien là, il y a un arrivé sur la prochaine minute, pour 5 heures. Allez. On suppose que jeudi, tu as une possibilité pour que. Professeur, parlez plus souvent. Est-ce que jeudi, si tu as une possibilité, côté que ou même madame ou petit tout, tu as une possibilité pour que nous allons dans l'autre pays, est-ce que tu as dit pays a 12, 11 familles qui sont responsables de trafic d'armes et munitions? La pays. Radio Omega. Et c'est pas seul en commission, c'est nous neuf.
faut nous tous les neuf gagner protection depuis laisser à l'état central dit nous mais ça pour faire ou pour elle dans moins que parce que bon bagage cap durer temps. On va y aller là déjà. Le travail qui fait déjà. On va parler de 11. Il doit 20 ou. Il doit 25 ou. Elles sont où là, une et une là. Et la caille. Bagala caille. Tout le monde est entré dans.